Mao, c'était un monsieur handicapé qui se trimbalait dans la ville de Brazzaville et faisait le monde. Donc il demandait à qui voulait l'aider quelque chose, de l'argent. Et lorsque vous me rappelez cette histoire, c'est une histoire tragique. Les conditions de son arrestation, c'était tout à fait banal. C'est parce qu'il faisait la manche, et donc comme les autorités n'apprécient guère l'idée d'avoir des personnes qui font la manche dans une ville, bon, il s'est retrouvé en prison et arrivé là-bas, dans les geôles du commissariat, il a été, on peut dire aujourd'hui, tapé, torturé, puisqu'il en est mort. Maman, tu as dit que c'est ça, ou à quoi faire ça, papa, n'ayant. Et ça, le monde est venu, à quoi faire ça. Oui, à quoi faire ça, papa, ou à quoi faire ça. Et dès que le jour, il y a mercredi, papa, là, qui n'a pas à côté. Je dis, n'attends, tu es au lieu où tu n'as pas à côté. Le général Ndenge Mutu a kanga qui est bavé qui est mort avec les moniers et ma famille peut handicaper le colaï. Sukoyo, mais que j'ai un tel acte qui m'a donné qu'il n'a pas fait Yamanjanga. J'ai dit que n'a pas fait ça, il se vend de dit les qui a moto, bakara qui n'est wana aï à Nandako. Alors qu'on peut établir une nouvelle que les gens ont un jour pensant Ndenge Mutu a kanga qui est. Samedi Natongo. C'est là où cette histoire est tragique. Parce que ses collègues jolis ont frappé pour demander de l'aide. Et les policiers de cet endroit-là ne s'étaient pas rendus compte de la gravité de la situation. Je suis en train de me faire un peu de temps.